Salut à tous et bienvenue sur Vision High Tech. Et voilà, ça y est, Jean Bombeur a bien gagné les écouteurs et les a bien reçus aujourd'hui. J'ai reçu son petit mail de confirmation. Il est vraiment super content. Il a vraiment aimé recevoir ses écouteurs grâce au concours que je vous avais fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, à la fin d'un concours sur Vision High Tech, on recommence un nouveau concours. Pour ce concours, il faudra être abonné à la chaîne, il faudra liker cette vidéo et mettre votre plus beau commentaire en section commentaires. Lorsque nous arriverons à 52 400 abonnés, je ferai un choix en live d'un commentaire d'un abonné et bien sûr, comme d'habitude, je lui enverrai ses écouteurs connectés. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une seule boîte, mais de deux boîtes. Les Kumi, une paire d'écouteurs Bluetooth avec boîtier de recharge qui sont vraiment super sympathiques. Ensuite, on va parler de la deuxième paire d'écouteurs. On va donc faire aujourd'hui deux unboxings de deux écouteurs Bluetooth, les Earsoul, donc les 817, les TWS 817A, wireless 5.0, vraiment le top du top. Alors, tout de suite, je vous montre le petit message de Jean Bombeur, l'abonné qui a reçu les AirPods Pro chez lui. Sympathique. Voilà. Et c'est parti. Voilà le petit témoignage de Jean Bombeur qui a reçu donc ses écouteurs. Enfin, merci à toi pour ton retour. Et je vous fais écouter son petit retour sympathique. Alors, en plus, il m'a envoyé une petite photo de son unboxing. Merci beaucoup avec un petit waouh, c'est cool. Bonjour, je viens de les recevoir juste avant d'aller au boulot. Je suis vraiment très content d'avoir gagné ton concours. J'ai trop hâte de les tester, je les ai ouverts, ils ont l'air très bien. Je ne connaissais pas la marque mais ça a l'air d'excellente qualité. Merci encore pour ce très beau cadeau. Et merci pour tout le contenu que tu nous partages. Continue ainsi et je l'espère ta chaîne va encore beaucoup grandir. Je t'ai mis en fichier joint une photo de mon unboxing pour montrer que je les ai bien reçus. Bonne continuation et bonne journée. Et voici son petit unboxing. Merci à toi Hugo, franchement profite bien et merci d'avoir participé à ce concours. Allez, maintenant on passe au prochain gagnant. Et il termine à la fin par un Kumi. Petit cool. On va parler donc d'écouteurs Bluetooth 5.0 de la marque Kumi. Ils m'ont envoyé donc deux boîtes à tester, que je vous ai testé bien sûr et que je vais vous offrir. Ces deux boîtes seront à gagner et dans un premier temps, je vous ferai gagner les Kumi TWS 834A. Alors comme je vous ai dit, pour gagner ces écouteurs Bluetooth, il faudra donc être abonné, me mettre votre meilleur commentaire, me liker cette vidéo et la partager avec vos amis. Le tirage se fera en live comme d'habitude et on fera le tirage une fois que la chaîne aura atteint les 22 400 abonnés. Et oui, pas plus, pas moins. On va faire l'unboxing de ces deux boîtes et voir les plus et les moins de ces deux paires d'écouteurs Bluetooth 5.0 de chez Kumi. Des bons petits écouteurs sympathiques qui peuvent tout au long de la journée vous faire écouter votre musique, vos radios préférées. On va commencer par les Kumi TWS 834A. Alors ce sont vraiment de très beaux écouteurs Bluetooth. Ici je vous les mets en gros par rapport à la boîte. On est donc sur une boîte tiroir, voilà, regardez ici. Et on a un package très 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 bien soigné. Alors ce qui est intéressant dans cette paire d'écouteurs Bluetooth, c'est que l'on a un petit boîtier avec une petite dragonne ici, super sympathique. Et ces écouteurs sont vraiment assez sympathiques. Je vous les sors ici. Je vous les sors de la boîte. Alors regardez un peu ces écouteurs, je vous les mets vraiment en très gros. Alors, je trouve qu'ils ont quand même une longue tige par rapport au micro. Ces deux écouteurs sont donc Bluetooth 5.0 IPX7, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas waterproof, mais vous allez pouvoir courir sous la pluie avec ou vous allez pouvoir suer en faisant du sport. Ce ne sont pas des intra-auriculaires, vous n'aurez pas d'embout supplémentaire, donc ils rentrent parfaitement bien dans l'oreille. Ils tiennent parfaitement bien dans l'oreille. Tout dépendra là aussi votre conduit auditif, puisqu'on n'est pas tous équipés du même conduit auditif. Je les ai testés, côté son, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de médiums, il y a très peu de basses. Vous avez à peu près, avec le boîtier, 24 heures d'autonomie, donc ce qui est plutôt
pas trop mal. Alors je vous mets le boîtier est un peu épais, mais pas plus que ça. On a un boîtier assez sympathique qui recharge les TWS 3 fois dans une journée, ce qui est plutôt pas trop mal. Et c'est comme d'habitude, les écouteurs sont aspirés par un aimant. Voilà, donc ici, une fois que vous les posez, on peut donc voir ici qu'ils restent parfaitement bien dans la boîte, malgré que le boîtier soit ouvert. A noter que le petit boîtier est déjà équipé d'une petite dragonne pour attacher ça à votre ceinture ou à un blouson, plutôt sympathique. Et le boîtier se recharge par un câble de type C vers USB-A. La charge en USB-C charge un peu plus rapidement que du micro USB. La connectique se trouve à l'arrière de la boîte et la connexion se fait tout simplement avec n'importe quel smartphone sous iOS ou Android, tablette, Mac, Windows, du moment où votre appareil est équipé de Bluetooth. Donc on a une boîte, on a une petite boîte noire. Le boîtier est de couleur noire, ainsi que les écouteurs Bluetooth sont noirs avec cette longue tige. Alors qu'est-ce qu'on rencontre dans la petite boîte qui suit nos petits écouteurs ? On a donc comme d'habitude les notices et les notices sont entièrement francisées. La petite carte de garantie. Et on a donc le petit câble de type C vers USB type A. Voilà ce qu'on a dans cette petite boîte des Qumi TWS834A. Ils sont donc équipés d'un Bluetooth 5.0. Donc en termes de portabilité de votre appareil, vous pouvez vous éloigner de 10 à 15 mètres maximum pour profiter toujours de votre musique et de vos podcasts préférés. Voilà pour la présentation de ces Qumi TWS834A que je vais vous offrir avec plaisir. Donc on attend d'arriver aux 52 400, c'est pour ça que n'hésitez pas à partager la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour que je puisse choisir l'un de vos meilleurs commentaires. Et on va tout de suite continuer l'unboxing de cette seconde boîte des Qumi. Passons donc aux Qumi, les True Wireless, donc les TWS817A. Ces écouteurs Bluetooth, encore une fois 5.0, je les trouve vraiment quand même plus classe. Je les trouve quand même plus sympathiques. Alors, à l'arrière de la boîte, on trouve un code QR pour vous rendre directement sur le site. Ces écouteurs Bluetooth 5.0 sont pour le sport, sont pour les gens qui sortent, si vous faites du transport, si vous marchez, si vous faites de la course. Ces petits écouteurs sont vraiment parfaits pour faire tout ça. Alors, côté design, ici, on va être sur des écouteurs intra-auriculaires. On va tout de suite en faire l'unboxing ensemble. Alors bien sûr, les TWS817A vont être aussi à gagner dans un prochain concours. Donc c'est pour ça, si vous aimez les petits concours sympathiques, abonnez-vous sur la Team Vision. Je fais des cadeaux assez régulièrement et j'espère que ces petits cadeaux vous plaisent. Hugo, d'ailleurs, vient de recevoir tout juste ses AirPods Pro aujourd'hui. Alors ici, les 817A sont dans ce style de boîtier. Et ici, on est vraiment sur des écouteurs intra. Alors, ça dépend. Parfois, des personnes aiment le côté intra ou pas. Ça, c'est au choix. Je vous les enlève pour vous les montrer. Et ici, on est sur des jolis petits écouteurs. Et ces écouteurs seront quand même un peu plus discrets que les TW834A. Ils sont assez sympathiques. Ils sont en forme de boule. Je vous les mets ici en très gros. On est sur un boîtier laqué, assez sympathique, un peu épais certes, mais de très bonne facture, de très bonne qualité. Un bon petit boîtier, comme vous pouvez l'entendre ici. Les Earsol, les voici, ce sont donc de tout petits écouteurs à la surface tactile. Avec un tap, on lancera la musique à droite. Un autre tap, on mettra en pause où on pourra décrocher une conversation téléphonique. On pourra, avec un double tap, avancer dans les plages à droite, reculer à gauche. Et un triple tap sur les écouteurs pourra donc lancer votre assistant préféré. Côté autonomie, le constructeur annonce 24 heures à utiliser ses Earsol avec modération. On continue le déballage des Earsol, donc les TW817A.
On a donc un petit carton sur le côté droit. Alors, côté câble de rechargement, on est toujours sur un micro USB de type C vers de l'USB A. Petit changement ici, étant donné qu'on est sur des intra-auriculaires, pour vos AirSoul, vous allez avoir deux tout petits nouveaux embouts. Vous aurez donc deux nouveaux embouts pour changer si ceux qui sont déjà d'avance mis ne vous conviennent pas. Vous avez d'autres embouts de rechange. C'est plutôt sympathique. Et bien sûr, à l'intérieur, on va retrouver, pareil que pour les TWS834, on va retrouver toute la notice francisée sans problème. Ce sont vraiment de bons petits écouteurs Bluetooth 5.0. Pareil, au niveau de la distance, on est sur une quinzaine de mètres maximum. À 15 mètres, on commence à perdre un peu le signal Bluetooth, mais à 10 mètres, vous serez toujours avec votre musique dans vos oreilles. Alors bien sûr, côté appairage avec les AirSoul, c'est idem, compatible iOS, Android, pas de problème. Vous allez dans votre smartphone, vous allez dans Bluetooth. Une fois que vous les sortez de leur boîtier, vous allez tout de suite les voir apparaître dans Bluetooth. Petite particularité, ici, on a une petite application qui vous permettra de régler au mieux le son de vos écouteurs Bluetooth. Cette application est téléchargeable sur iOS. Alors, cette application s'appelle Koumi, C-O-U-M-I. Voilà, donc vous pouvez voir ici l'application, on peut la télécharger sans aucun souci sur le Play Store comme sous iOS. Et cette application vous permettra d'améliorer le son de vos écouteurs Bluetooth, les Koumi. Alors, au premier démarrage de cette voilà, donc on a l'application Koumi et comme vous pouvez vous apercevoir, Koumi a développé trois écouteurs Bluetooth. On a ici déjà deux exemplaires. Par rapport au boîtier, on a un petit avantage sur les TWS834A. C'est d'ailleurs ce que je vais vous offrir dans le prochain concours, puisque le boîtier est rechargeable par induction. Et ça, c'est plutôt cool. Alors voici ici les deux boîtiers devant votre écran. Ils sont assez sympathiques, ils sont pas trop épais non plus, ils sont vraiment transportables. Voilà donc pour les 834A, ceux qui vous seront envoyés en cadeau, vous avez une possibilité de les recharger par induction et ça c'est plutôt cool. On a vu sur ces deux paires d'écouteurs Bluetooth 5.0 de chez Koumi. J'ai un petit avantage sur les 834A que d'ailleurs je vais vous offrir. Je vous mettrai tous les liens dans la description puisque vous pouvez trouver ces écouteurs pour moins de 25€ sur Amazon. Surtout si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire. Je suis déjà en train de réfléchir à un prochain concours. Dans le prochain concours, il y aura la seconde boîte à gagner et dans un prochain concours, certainement pour Noël, je vous ferai gagner une super montre. Voilà pour la présentation de ces deux écouteurs Bluetooth de la société Koumi que je remercie pour m'avoir envoyé et de vous faire gagner ces écouteurs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Surtout donc, si vous voulez participer au concours, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et surtout pensez aux petits commentaires car je choisirai un commentaire sympathique dès que l'on atteindra les 22 400 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager pour continuer à suivre la Team Vision et pour continuer à gagner des petits cadeaux sympathiques tels que ces petits écouteurs. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.